Welcome back. It's 7:34. Of course, we are a little late on our press review today, but well, we're going to jump straight into it without any more waste of time. This morning, I'm going to begin with the Guardian Post Daily and the front page. We have the big one for today. Kleda dares government over June 1 school resumption. A report by Maxwell Fokwe-Chick that you find in this edition of the Guardian Post newspaper. And on the front page, of course, there's a picture, rather interesting picture of Samuel Kleda, of course, with a handshake, or giving a handshake to President Paul Biya, with this caption, disrespecting Biya's instructions for school resumption on June 1. It's a question. The question, they are the captions, the picture on the front page of the Guardian Post Daily. Unfortunately, guys, I can't exactly see properly what's in front of me. You have a better copy in front of you or in front of your TV set, but what I have here is not so clear. But I'm going to try to read. If I make any mistakes, please bear with me. I will help you. Okay. Great. All right, then. SDF urges Biya to convene fresh dialogue to resolve crisis in Northwest Southwest. That one I saw clearly. Mm-hmm. And the details of that story you'd find in this edition of the Guardian Post Daily. Still with the SDF, OC plays advocate for government over car loan to MPs. I only see CA. I can't see the rest. If you had my copy in front of you, you know what I'm talking about. So it's not too clear. I hope that's the correct, those are the correct words on the front page of the Guardian Post. In any case, you see better than I do right now. You can get the details of the story, of course, in this edition of the Guardian Post newspaper. Whose truth is true? Question. Health Minister denies rejecting anti-COVID-19 materials from MRC. I'm completing what I don't see. And Maxwell Fokwe-Chick byline that story. And of course, you can dig deep into the details in this edition of the Guardian Post. And on the front page, to end with this one, Dr. Dewa announces own cure for COVID-19. Right. More Indian pages of the Guardian Post. Yeah, there was Dr. Fru, now there's Dr. Dewa. So, okay, big ups. Now to Cameroon Tribune, the Low National Bilingual Daily. And of course, we're going to focus on the stories that appear on the front page in the English language. And I'm going to start with this one. Forestry sector operators present COVID-19 related challenges. We read, a group of investors in the forest exploitation domain have urged government to reduce the financial burden on their companies due to setbacks caused by the coronavirus pandemic. They met with the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Doré Ndongo, yesterday, the 27th of May 2020. You can get the details of that story from page 16 down to page 17 of Cameroon Tribune of this Thursday morning. Cameroon, Korea, Ambassador Bok Riol Ryu bids farewell. I hope I pronounced that correctly. Following the end of mission as the country's representative, the South Korean diplomat was received in audience yesterday, the 27th of May 2020, by Prime Minister Joseph Dion-Goute. Both personalities reviewed the state of relations between the two countries. More on page 2 of Cameroon Tribune of this morning. And well, that does it for this first part of the press briefing. Good morning, Cameroon. We hope that you now have an idea of what you are going to meet when you go later on to the newspaper stands to grab yourself a copy of copies of newspapers. In any case, we encourage you to do that. But also, if you fancy reading online, you know that works just fine, right? So go subscribe and read. Now we're going to turn our attention to what's making news with the Francophone newspapers. Yeah. It's going to be all you. We miss Narcisse Moto, don't we? Je me demande où il est passé. We miss you, Narcisse Moto. And I'm sure our televiewers miss you too.
Voilà. Allez, nous allons donc commencer avec Cameroun Tribune qui consacre sa une ce matin. Merci. À la reprise des classes le 1er juin prochain. La crise sanitaire prise en compte, comme nous dit le journal de Marie-Claire Nana aujourd'hui. Désinfection des établissements, respect des mesures barrières, redéploiement des effectifs en bonne place, des préoccupations des responsables éducatifs et même des parents qui veulent limiter les risques de contamination au Covid-19. À la veille de cette rentrée scolaire, lire le focus de Cameroun Tribune de la page 7 à la page 10 de son édition en kiosque ce jour. Et puis enseignement primaire et maternel, 3000 instituteurs ont été recrutés. Le ministre de l'éducation de base, Laurent Sej Etoudingwa, a été face à la presse hier à Yaoundé pour le préciser et même apporter les différentes modalités qui ont présidé au recrutement de ces enseignants. À la page 18 et 19 de Cameroun Tribune, vous aurez plus ample information. Du côté du CRACER, André Mama Fouda est le nouveau PCA. Il a été nommé hier par un décret du président de la République. À la page 3, lui qui était ministre de la Santé publique dans ce pays, André Mama Fouda. Yeah, absolutely. Ok. Mutation est en kiosque ce jour. La rentrée scolaire inquiète le journal qui a une grosse interrogation quand même à sa une aujourd'hui. Au plus qu'imparfait, la question est posée donc. L'odeur d'impréparation du gouvernement fait craindre une reprise des classes risquées au moment où l'infection du coronavirus explose au Cameroun. Le journal consacre plusieurs pages, notamment à la page 6, 7, 8, 9 et même 10 à cette actualité-là. Et puis, s'agissant de Mama Fouda, il y a un instant, le journal à sa page 13 pense que le président Biya s'est souvenu de Mama Fouda pour le nommer à la présidence du conseil d'administration du CRACER. Et on reste dans la santé avec le Covid-19 à la page 5 de la nouvelle de mutation, autant pour moi. Le barreau pour plus d'humanité. Il faut en savoir davantage dans les colonnes du journal en kiosque ce jour. Le jour est donc des nôtres ce jour. 1er juin, le journal s'y intéresse aussi. L'école, faut-il y aller? Interrogation encore. Dans certains lycées et collèges de la ville de Yaoundé, les enseignants, les chefs d'établissement balais désinfecte les salles de classe 2 et 3. C'est les pages qui contiennent donc cette actualité. Puis Covid-19, Afrique centrale, 90% des entreprises en récession. C'est grave quand même. Maurice Modjom dit, je cite le monde, enfin, revient sur le monde postcolonial à la page 9 aujourd'hui et dans les colonnes du journal à la page 11. Francis Ngannou, une revanche sur la vie à retrouver, bien sûr, et à lire. C'est une success story. Le messager est en kiosque ce matin. Maurice Kamto dit, je cite, le Cameroun est piloté à vue, comme vous pouvez le voir à la une du journal pour le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La riposte gouvernementale contre la pandémie à Covid-19 est émaillée de grossières insuffisances. La page de 3 a plus de détails sur cette actualité. Et puis la reprise des cours, le journal s'y intéresse aussi à la page 9, cette fois en pied de une. Les mesurettes du gouvernement. Au port autonome de Kribi, pourquoi le stockage des marchandises de coince, les confidences du directeur général du Kribiport Multiple Operator, gestionnaire du terminal polyvalent, trouvé à la page 10 de messager en kiosque ce matin et du côté de la SECNA. Et si c'était le temps du Cameroun, allez comprendre pourquoi à la page 5 de messager en kiosque. La nouvelle expression, un autre quotidien, est également en kiosque. Deux visages aujourd'hui, celui du Minat et celui du président du MRC. Donc, agression chez Kamto, le MRC Index à Tanganji. Un communiqué du porte-parole du mouvement pour la renaissance du Cameroun fait remarquer que l'association dont les responsables sont venus attaquer la résidence de Kamto a été légalisée. C'était seulement le 11 mai dernier du côté de Yaoundé avec pour projet de soutenir l'action gouvernementale. À la page 3, je crois que cette actualité est très très intéressante. En petite fenêtre, promotion, Biya ressuscite Mama Fouda. Le journal nous dit que l'ex-ministre de la Santé publique vient d'être nommé PCA du CRACER, alors que les sources l'annonçaient du côté de Nkondengi.
Est-ce que ça ne signifie pas que... Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on a déjà vu? Te mettre à l'écart, te rappeler et te mettre définitivement derrière. Bon. Page 2, plus de détails. Droit des prisonniers, justement, la Commission nationale se réveille. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a donc entamé sa tournée par la prison de Kondengi. À la page 4, vous en saurez davantage depuis gestion de la pandémie. L'offensive du roi du Maroc, experts, chercheurs se sont retrouvés pour examiner le lancement par SM Mohamed, Sa Majesté bien évidemment, Mohamed VI, d'une initiative visant à établir un cadre opérationnel pour la gestion du Covid-19. La nouvelle expression en reparle ce matin alors que les journaux déjà y consacraient quelques lignes hier. Camraï conteste le soutien de l'État, experts, chercheurs. Voilà. Alors on peut se rendre compte ici que la nouvelle expression sur l'affaire Citrafer a donc repris pour essayer d'apporter un peu de l'eau à la bouche de ses potentiels lecteurs, repris l'actualité sur l'offensive du roi du Maroc. Donc voilà les quelques propos liminaires à sa page 4. C'est donc à revoir. Et puis, France CFA, chronique des gémissements à l'évidence des manœuvres actuelles de la France servent à l'évidence. Les manœuvres actuelles de la France servent davantage à la diversion plutôt qu'à un changement structurel de fond. Fait observer donc un expert que vous retrouverez à la page 10 dans les détails sur cette actualité-là. Le quotidien Émergence est également en kiosque ce jour. La reprise de l'école intéresse le journal à sa une. L'Église catholique dit non. À la base de cette décision, c'est l'évolution grandissante de la pandémie du Covid-19. Plus de détails à la page 19 de Émergence. Non, à la page 50. Donc pour moi, à la page, c'était écrit tout petit, 5, comme ça, et 19 au bout de la crise. Donc à la page 5 au lieu de 19, vous en saurez davantage sur, bien sûr, les raisons qui ont poussé l'Église catholique à dire non au retour de la reprise des classes le 1er juin prochain. Et puis du côté de Paris, le gouvernement rouvre son consulat général. Et voilà, une grève du personnel est annoncée dans une entreprise de téléphonie mobile de la place. L'effort camerounais, puisqu'on parlait de l'Église à la une de Émergence, le journal dont l'effort camerounais, qui est l'hebdomadaire catholique d'information, a été fondé en 1955 avec pour directeur de publication Monseigneur Samuel Cléda. Sa une est consacrée à la lutte contre le coronavirus. L'État fait confiance au traitement de Monseigneur Samuel Cléda. Le 28 mai dernier, souvenez-vous, Monseigneur Cléda a été reçu par le ministre de... Ah non, c'était pas le 28 mai du tout, parce qu'on est le 28 mai aujourd'hui. C'était pas le 28 mai, donc aussi une petite erreur dans les colonnes du journal aujourd'hui. Donc il y a quelques jours, Monseigneur Samuel Cléda a été reçu par le premier ministre Joseph Dion Nguté sur les très hautes instructions du président de la République. La signification que l'on peut porter et même donner à cette rencontre est que Paul Biya est intensif aux prouesses du traitement proposé par l'archevêque de Douala. Et du côté du Bafia, le diocèse de Bafia a donc son nouveau bishop. Il faut savoir qui est-il à la page 4 ce matin. Pour un avenir meilleur, un message quand même dans les colonnes du journal. Nous sommes tous appelés à affronter cette crise de santé internationale avec sérieux, sérénité et même courage, en nous rendant disponibles aussi pour certains sacrifices de notre style de vie quotidien. C'est le pape François qui le dit. C'est un extrait de son message aux laïcs et même aux familles qui a été diffusé le 6 mars dernier. L'économie quotidienne est en kiosque ce jour. Obligation de trésor. Le Cameroun à nouveau sur le marché financier pour 20 à 35 milliards de francs CFA. Le pays veut compléter son programme de 220 milliards de francs CFA qui va donc servir au financement de certains projets dans les domaines des infrastructures routières et même la santé et aussi de l'électricité. À la page 2 du journal, vous en saurez davantage. Et puis projet, les éleveurs bientôt formés au marketing agricole, à la page 5, plus de détails. Et la riposte contre le Covid-19 intéresse aussi l'économie quotidienne ce matin.
Les initiatives de Cum Lab pour une rentrée scolaire et académique sans Covid-19 sont à retrouver dans les colonnes du journal. Peut-être lire pour en savoir davantage. Première heure est en kiosque aujourd'hui. Le journal consacre sa une à la reprise des cours pour le 1er juin prochain. Les élèves partagés entre enthousiasme et peur. Favorable à la reprise des cours le 1er juin prochain, les apprenants restent néanmoins stricts sur les mesures barrières contre le coronavirus. Toutefois, on redoute une forte propagation de la pandémie dans les familles. À la page 5, plus de détails. Et puis, restons sur le Covid-19, l'arrondissement de Yingui lutte contre le Covid-19. À la page 5, vous en saurez davantage. On va sortir de cette revue de presse avec Relais d'Afrique qui consacre sa une ce matin à une entreprise. C'est le nouveau visage de Kamwata qui est présenté à la une du journal de Emmanuel Towa. Deux ans après la fermage, voilà, entre l'assainissement du personnel et la teinte des objectifs, la Cameroon Water Utilities Corporation présente des atouts indéniables. Voilà, indéniable. Enquête sur la méthode de Gervais Boulanga, le directeur général dans les colonnes du journal ce matin. Et puis la gestion de marché de la ville de Douala intéresse aussi le journal à sa page 4 et 5. Le docteur Roger Mbassaldine perpétue l'autoritarisme de son prédécesseur. La situation reste inchangée jusqu'à cette date. La boutique de Madame Alice Maguedio est toujours fermée depuis le 16 du mois dernier. Le plan macabre mis en route par l'ex-délégué continue d'être perpétué par le maire de la ville pour broyer définitivement cette citoyenne. Voilà, entre autres actualités à retrouver dans Relais d'Afrique qui est en kiosque dans son numéro 57. Voilà qui est dit aujourd'hui, il est quoi là, 7h51 minutes. Place à la musique pour digérer tout ça. Soko biwo mbaba mena buna mabuki maholio jana agazane ham yofu abala gaga ci amu bolon dare jambi koy jam madala met ma se fat fazer meadeo monsieur songnura la ma fil andi lan e bi mi duko da fini ron wam la top